Bonjour et bienvenue sur netprof.fr, je m'appelle Wilfried, on va faire ensemble aujourd'hui des croissants au jambon. Simple, efficace, rapide, de quoi faire plaisir à tout le monde. Donc première étape, vous allez prendre votre pâte feuilletée, en fait, la sortir de son sachet bien sûr. Et vous allez la dérouler. Vous prenez votre couteau, vous allez la couper en deux, puis encore en deux, puis sur les intervalles. Voilà, de cette manière, on va obtenir en fait de quoi faire 8 croissants au jambon. Vous le mettez de côté. Deuxième étape, vous prenez votre planche à découper. Vous allez prendre une des parties de pâte qui a été préalablement découpée. La crème fraîche. Donc on va déposer un peu de crème fraîche en fait sur le fond de la pâte. Comme ceci. Ensuite, vous allez y déposer le jambon ou le blanc d'Inde selon votre choix. Vous pouvez également le faire avec du thon aussi. Donc pas trop, sinon on ne va pas pouvoir faire le croissant. Et pour terminer, vous mettez le gruyère. Le plus dur est fait, maintenant il ne reste plus qu'à rouler le croissant. Donc vous le roulez du bord le plus large vers le bord le plus petit. On recourbe les deux bords. Et voilà un croissant de fait. Ne vous reste plus qu'à faire l'opération pour les 7 autres morceaux. Une fois que c'est fait, vous allez prendre une plaque et déposer du papier d'alu dessus afin de disposer les croissants sur la plaque. Le four préchauffé à 180 degrés, bien sûr, pendant une dizaine de minutes. Dernière étape, le four a été donc préalablement chauffé à 180 degrés, thermostat 6. Vous allez mettre vos croissants à l'intérieur. Et voilà, il vous suffit de suivre la petite. Dernière étape terminée, les croissants sont prêts. Il ne reste plus qu'à les sortir du four.